sans offenser le ciel, dont toujours vous parlez. Si ce n'est que le ciel, ça va comme ça, le ciel, c'est bon, hein, c'est bon, ok, d'accord, ok, ok. Si ce n'est que le ciel qu'à mes voeux on oppose, lever un tel obstacle est à moi peu de chose, et cela ne doit pas retenir notre cœur. Mais des arrêts du ciel, on nous fait tant de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et je sais là de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai certains contentements. Mais on trouve avec lui des accommodements. Ah ben c'est sûr que là, ils les ont trouvés, les accommodements. Là, c'est sûr. De quoi tu parles là? Ben, les accommodements avec le ciel. Quoi? Le gouvernement a trouvé les accommodements avec le ciel. Ah, eux, ils ont ouvert les églises, ben, les églises sont ouvertes et pas nous. Ouais. Une église, c'est quoi? C'est des gens qui sont assis, qui écartent quelqu'un, bien, qui parle. Nous, c'est quoi les théâtres, le cinéma? C'est des gens qui sont assis, qui écartent quelqu'un qui parle. Même dispositif, c'est vrai. Même dispositif. Alors, faut qu'on m'explique pourquoi le prêtre, il n'est pas contaminant, et pourquoi si on met Brad Pitt à la place, tout d'un coup, c'est contaminant. Non, mais il faut m'expliquer. Non, mais j'ai pas compris. Voilà, Agathe. Agathe, vous avez eu le délire, Agathe? Non, mais non. Mais toi, t'étais au courant? Ben non, je suis pas au courant. Ça t'intéresse rien, hein, tu t'intéresses. Mais si, mais arrête! Alors, Agathe est une messe de minuit. Ouais. Là, la petite arme, Agathe. Ok? Depuis le début de l'année, les mecs qui jouent à huis clos, là, les hockeyeurs, ils jouent à huis clos, là, il n'y a personne. Ok? Là, un prêtre au milieu de la patinoire, il a le droit à 700 personnes. Mais tant mieux pour eux, c'est absolument pas dangereux. Mais parce que c'est un prêtre, il a le droit à 700 personnes. Les hockeyeurs, voilà. Ah, voilà, machin. Et pareil, à Levallois, messe de minuit, deux messes, je ne sais plus, à 23h, 23h30. 750 personnes. 750 personnes.